Bonjour, bonsoir tout le monde. Moi, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour présentation premier épisode dans le cadre de Gros Tonton Initiative, ça que tout haïtien connecté TAC 509 ensemble avec mon serviteur Kenley Wilson décidé porter pour vous qui relaye un petit coup de Jésus et Tiamala dans 5 minutes. Un petit coup de Jésus et Tiamala dans 5 minutes sont façon pour nous-mêmes nous permettre de comprendre qui ça a passé dans le milieu culturel haïtien, particulièrement dans le milieu musical haïtien, dans 5 grandes minutes. Et jodi a, nous pourrons faire un coup d'œil sur ce qui a passé dans le milieu compas, avec diverses formations musicales qui sortent album dans la semaine qui sont passée à là, donc dans l'année 2019 là. On a commencé avec la formation musicale Disciple, la bande à Gazman Pierre, Gazman Couleur. Disciple qui sorti album li semaine ça qui baptisé Loria. Album ça c'est 4e album de la formation musicale Disciple, 4e album que Disciple réalisé en 9 ans depuis l'exister. Nous songez premier album Disciple qui était sorti dans l'année 2010, année création jazz la même, album ça qui était les Mission, 2e album jazz là qui pourrait sortir 3 années après, qui était les Victoire, 3e album jazz là qui sorti en 2016, album ça qui était connu un succès assez évident. Ici en Haïti et dans la diaspora haïtienne un peu partout à travers le monde, album Clairé Yoa. Et là, yo sorti 4e album yo dans 9 l'année que yo gagne depuis exister dans le milieu musical haïtien, album ça qui baptisé Loria. Deuxième groupe, deuxième formation musicale que n'a gagne pour moi Jodia dans quatre coups de n'a fait sur Etienne Malan dans 5 minutes ça yo. C'est la formation musicale Harmonique. Harmonique qui sorti 5e album ni dans l'année 2019 là. Sous 11 ans que le gagne depuis l'exister, depuis la fait moun danser en dans compas. 5e album ça, qui baptisé Respect, et bien il est venu après 4 premiers albums formation musicale ça. Nous songez, en 2008, lorsque Nickenson Poudom, Mackenzie Talon, avec Sanders Solon, avec Support ou bien sous Baguette Magique, on est temps pour Rodney Noël, t'es décidé de réunir Monsieur Sayo pour te former groupe musical qui t'est pas baptisé Harmonique. Et c'est dans la même année 2008, ça, Monsieur Tabal sorti premier album yo, qui t'est relé Jérém. En 2011, soit 3 années après, yo pral sorti deuxième album studio yo, qui c'est Let's Go. En 2013, yo pral sorti album différent. Et puis en 2016, yo sorti Dégagé. Et là, année ça, yo sorti 5e album studio yo, en 11 ans d'existence, qui relé Respect. Nous allons voir la troisième formation musicale, nous, Jodia, dans le cadre de la Paoline, nous avons fait. C'est la formation musicale Classe, la bande à Jean-Hérard Richard, Richie, comme maestro, expérimenté comme lui seul. Plus de 20 ans de production dans la musique haïtienne. J'ai sorti 3e album studio avec formation musicale li, Classe. 3e album, ça a relé Red Nanio. 3e album ça a vini après 2 premiers albums yo. Nous songez premier album qui était sorti dans l'année 2013 après Richie Fini qui était zinglin et y associé avec deux musiciens qui étaient dans zinglin ensemble avec lui mais avec de l'autre musicien qui pas dans même formation musicale avec elle qui rejoint lui n'a parlé par exemple d'un nèg tankou Eder Stanis Pipo comme chanteur formation musicale ça. Il a réalisé premier album yo en 2013 qui t'appelé les Fell Vini en vain. Deuxième album yo sorti en 2016 qui est le Fell à toute cœur. Et là yo sorti 3e album studio en 2019 qui baptisé Red Nani. 4e et dernier album n'a poué Jodia dans quatre yon ti coup de Jésus et Tiamala pendant 5 minutes ça. C'est la formation musicale New Look avec dernier album en date, dernier album studio qui baptisé No Stress. No Stress, c'est 7e album que formation musicale ça, formation musicale New Look, réalisé en 19 ans, li gagné depuis l'exister dans le milieu musical haïtien. 19 ans d'existence pour la formation musicale New Look, qui donc son formation qui créée dans l'année 2000, il a pas le temps environ une à deux l'année après le sorti premier album studio qui a pas le baptisé Big Mistake. 3 l'année environ après, il a pas le sorti soit en 2004 album Still News, il a pas le sorti en 2007 album Abo, en 2010 Gazman pral quitter formation musicale ça. Eder Stanis Pipo pral rejoindre Harley La Rivière et pral sorti un album qui pral relé Confirmation. Et puis après départ Eder Stanis Pipo en la formation musicale ça, gain Harley La Rivière qui lui-même déjà réalisé 3 albums pour compte lui avec formation musicale ça, n'a parlé de l'album I Got This là qui sorti en 2013, n'a parlé de l'album My Time qui sorti en 2016 et n'a parlé de dernier album que Harley La Rivière sorti année ça avec formation musicale New Look qui relé No Stress, un album très intéressant, en pile production, en pile œuvre musicale disponible sous marché musical haïtien ou même amant de la musique
ou al tande. Voilà donc ça qui constitue essentiel yon ti coup de Jésus Etienne Malan dans 5 minutes pour premier épisode là. Prêtez à nous. L'autre épisode doit être plus belle.